Et hop, bonjour à tous, c'est Skyrim Tuto. Aujourd'hui, un nouveau tutoriel, ce sera sur Clash of Clans cette fois. Donc, pour un village farming HDV9. Donc, c'est parti. Donc, moi j'ai qu'un arc X. Mais vous pouvez remplacer, vous pourrez le remplacer après par autre chose. Hein. Pas de problème là-dessus. Donc, on commence par placer l'arc X au milieu, entouré des 4 mortiers. Ensuite, le château de clan, on le positionne là. L'élixir noir, là. Le roi des barbares, voilà, c'est là. Et une petite tour d'archer. Ah, le roi, il est là. Voilà. Une fois cela, donc, hop, on positionne deux réserves d'or comme ceci, deux réserves d'or le pareil que là, une là et une là, ainsi qu'elles sont opposées. Vous mettez une tour de sorcier au chaque, hop hop et hop, et on recouvre tout ça de remparts. Donc voilà, une fois que cela est fait, on prend une défense antiaérienne, on la positionne comme ceci, de manière à laisser passer un rempart par-dessus un canon comme ça, la reine des archers là et un canon juste à côté. On recouvre par des remparts. Hop. Et hop. Et voilà. Là, on place donc un extracteur d'élixir. Ou comme mine d'or, hein, vraiment comme vous voulez. Hein, hop. On recouvre ça. De rempart. Voilà. Hop, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Donc voilà. Donc, ensuite, on se positionne. Donc je regarde le plan. Ok, donc normalement, on se met là. Voilà. Une défense antiaérienne à côté. Une foreuse. Hop. Et un canon. Voilà. On recouvre ça de remparts. Voilà. Et on place un extracteur d'élixir ou une mine d'or. Voilà. Donc voilà. Donc après, c'est pareil de ce côté, mais je vais quand même le faire. Donc, défense anti-aérienne, là, tour de sorcier à côté, là, non, là, c'est pas pareil, excusez-moi, hop, hop, voilà, là, c'est une mine d'or, et là, c'est un extracteur. Et donc voilà, on recouvre. Ouais. Voilà, donc je sais pas pourquoi là c'est pas pareil. Je sais plus pourquoi. Donc voilà. Et une tour d'archer à côté qu'on recouvre par la suite. Voilà. Pour le dernier côté, donc défense anti-aérienne. Là. Canon. Et de l'autre côté, tour d'archer et non. Faut supprimer ça avant.
les foreuses. Par la suite, on recouvre de tout ça. Hop. Celui-là, je sais pas s'il a déjà été présenté sur YouTube. J'ai pas eu l'occasion de le regarder, mais en tout cas, c'est moi qui... Enfin, sans regarder sur YouTube, c'est moi qui l'ai créé, quoi. Donc après, je sais pas s'il y a d'autres tutos ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je l'ai proposé. Donc voilà, ensuite on place l'hôtel de ville donc sur le coin. Là, avec les remparts qui restent, vous pouvez le remettre comme ça. Voilà, hein, des remparts, voilà, hop. Vraiment faites comme vous voulez. Faut que ça fasse un peu joli. Vraiment. Comme ça. Après, c'est vous qui décidez. Après voilà, le laboratoire et tout, voilà, je vais vous le placer quand même, enfin, si vous le placez où vous voulez, hop, le laboratoire, Tesla là, hop, ça là, enfin, voilà, c'est vraiment comme vous voulez, hein. Ça, le comité hein, là, là, comme vous voulez, là, là et là, Tesla comme d'habitude là, etc, etc, les cabanes, donc je vous conseille de les mettre là, donc, et les pièges, je vous conseille de les mettre dans les trous là, les trous entre, non, enfin, dans le village, les petits trous, enfin, ces trous là, quoi, voilà, c'est là, donc, voilà, donc, et les casernes, c'est à côté, comme, enfin, c'est vraiment comme vous voulez, ainsi que les extracteurs et les midors. En gros, à la fin, ça donne ça. Donc, voilà, donc c'était un petit tuto pour, sur un village de construction HDV9 Farm. Donc, voilà, ça sera bien précisé dans le titre Farm. Farm. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo, pareil, Hôtel de Ville 9 Farm. Là, je pense, je sais pas si ça marche autant, mais en tout cas, niveau esthétique, enfin, je le trouve mieux. Après, c'est mon avis personnel. Hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous cherchez un hack, Clash of Clans Android, enfin, un hack qui reste, mais ça se sauvegarde pas, c'est pour délirer, pour avoir tout au max, des trucs comme ça. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur ma chaîne, je mettrai sûrement dans la description. Donc voilà. Elle sera dans la description. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et aimez le tuto. Merci.